ñëpp su ko défé ñu def ben suivi bo xamné moy tax ñuy chambar li ñu def ci biir réew mi di ci informer président mu melne comme ñu ko gissé ci image yoyu ñitt réew mi Bassirou Diomaye Faye la naka ak sina fi ci CICA du centre international de conférence Abdou Diouf comme ñu ngeen ko gissé nonu convoi bangi ak si ñuy fatalé rek né ñitt réew mi dina fi dal di téw ci kanamu ay partenaires am techniques et financiers ay ONG ak yeneen yi entités yo xamantene mën nañ leen associer ci projet bi ngir présenter référentiel Sénégal 2050 bien que né légui rek mu accès ci salle bi bamba. Voilà, c'est vrai, donc on voit l'arrivée du président de la République, son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye. Tout à l'heure Mounirou a touché un problème extrêmement important, donc il s'agit des stratégies ou bien des objectifs stratégiques qui sont confiés maintenant au BOX qui remplace le bureau opérationnel de suivi du plan stratégique émergent. Ça c'est peut-être l'innovation, notamment également la coordination des différentes politiques qui seront menées. C'est vrai, il l'a dit, hein, vous savez, en 1900, avec le règne du président Abdou Diouf, les socialistes, on espérait le développement du Sénégal, ou bien on l'attendait sur l'aide publique au développement. Il sera d'accord avec moi. Juste après, en 1993, sa réélection, Abdou Diouf, quand on lui a posé la question « Comment comptez-vous aller régler la question du développement ?», il a dit que « Je vais compter sur l'aide au développement ». Le président Abdoulaye Wade est venu, donc on voit le premier Ousmane Sonko, qui est accompagné du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et de la première dame. Et de la première dame, voilà. Donc toujours ici à Diamniadio. Après Abdoulaye Wade, on a eu donc la stratégie nationale, la stratégie de croissance accélérée, la SCA, qui a un petit peu fait ses résultats. Il y a eu le document stratégique de réduction de la pauvreté, DSRP. Comme il a dit, il y a eu beaucoup de politiques qui visaient la réduction de la pauvreté, mais ça s'est limité. Voilà. Absolument dans la salle. Axina, comme dina dougoulé leg ci salle bi comme nous ngén ko gissé nonou suñu ginnaw mu ngi nonou di nuyu ñi nga xamantene des membres du au gouvernement ak délégation bi nga xamanteni ñoo koy dalal tay fi ci CICAD ngir costume africain hein? Oui c'est ça puisqu'on parle de transformation sur tous les plans on fait la promotion également du consommé local consommé sénégalais c'est important de refléter cette vision et cette image aussi alors Bamba comme niñ ko waxé légui rek cérémonie bi dina démarrer légui ñoo fasiyene ak téwlu li nga xamanteni moy présentation projet B qui doit durer une heure de temps. Effectivement, c'est les informations qui nous ont été données par le ministre secrétaire général du gouvernement. Donc, après le mot de bienvenue du président de la République, ensuite le premier ministre va également prendre la parole, également saluer l'assistance. Et ensuite, on aura une présentation d'une heure de temps donc, du projet, du document.